Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous parler d'un sujet aujourd'hui qui me waouh. En fait, c'est que les gens pensent qu'on peut avoir des Robux gratuitement alors que pas du tout, ça n'existe pas. Quand tu vois les jeux Roblox, comment gagner des Robux et tout. Et en fait, ils te disent que tu joues au jeu et dès que tu as fini le jeu, tu gagnes des Robux. Et ça, c'est fake. Et vraiment, j'en ai vraiment marre que plein de personnes se fassent avoir et se fassent arnaquer. Il y a aussi des sites sur internet en ligne où ils te hackent. Il y a plein d'abonnés à moi qui sont hackés par des sites trompeux. Et enfin, franchement, arrêtez de vous faire avoir par des sites comme ça, etc. Le seul moyen d'avoir des Robux, c'est d'en acheter ou alors être dans des groupes Roblox. Et si t'as de la chance, ils peuvent, enfin, des gens te donnent des trucs ou des Robux. Enfin, bref, t'as capté. Il y a certains sites qui font ça, mais il y en a très peu et il faut vraiment faire attention. Après, rejoignez bien le groupe en question du site et tu vas recevoir tes Robux sans te connecter. Si le site te propose de mettre ton mot de passe, alors là, c'est automatiquement du fake et tu te fais hacker. Ok? Donc ne fais jamais ça. Va jamais sur des sites à mettre ton mot de passe Roblox. Jamais, jamais faut faire ça. Les méthodes pour obtenir des Robux, comme ils ont dit sur le site, tu peux acheter des Robux sur des applications mobiles, ton navigateur ou des applications Xbox One. Les comptes ayant un abonnement reçoivent une rémunération en Robux. Les comptes ayant un abonnement peuvent vendre des chemises, des pantalons, des accès à des mondes et obtenir un pourcentage des recettes. Donc en gros un pourcentage de Robux. Tous les utilisateurs peuvent vendre des passes de jeu contre des Robux. Les comptes sans abonnement percevront un pourcentage des recettes moins élevé que les comptes avec un abonnement. Comme ils ont dit, il faut acheter. Ce qui est logique. Moi, je me suis acheté très récemment 10 euros et voilà, faut acheter des Robux. Je vais vous prouver à quel point c'est fake ces jeux-là. Vous allez voir, par exemple, on va aller dans ce jeu-là. Déjà, bah, tu vois le pourcentage de dislikes et me dire qu'en fait, il y a quand même eu 400 000 personnes qui y sont allées et ils disent qu'on gagne 35 Robux si on joue. Et ben, on va voir ça. Je vais aller avec les autres joueurs. Et on va voir si c'est vrai leur percherie. Comme vous pouvez voir, voilà, je suis dans le jeu et il n'y a rien du tout. Voilà, t'as juste un livre, t'as ça, t'as une radio, il n'y a rien. Donc pourquoi ils disent qu'on gagne 35 Robux si c'est complètement fake? Et ça m'énerve les jeux comme ça où en fait ils font ça juste pour gagner des visiteurs. Et puis voilà. Attends, je vais aller dans la zone moi aussi. Mais tiens, hop. Voilà, j'ai pas d'épée. Ah bah attends, non! J'ai pas pu prendre, je vais les tuer, ils vont voir. Faut que j'arrive à prendre l'épée, et une fois que j'ai l'épée au milieu, bah c'est bon. Mais en fait, c'est un peu claqué le jeu, je veux pas dire, mais je trouve que le jeu, il est très claqué. Regarde, faut sauter sur les autres, voilà, bon là je saute. Non, voilà, c'est bon, j'ai mon arme. Donc toi, bah je te tue. Non, j'ai pas eu le temps de les tuer. Mais tu les vois où tes 35 Robux? Y a rien du tout. Voici comment gagner des millions sur Roblox, en Robux quoi, non mais... C'est quoi cette grosse arnaque? C'est quoi ce truc? Vas-y, j'ai envie de voir à quel point c'est faux. Et voilà, c'est juste un monde basique. Et il n'y a rien du tout. Il a juste pris le monde de base. Et bah, c'est quoi ça? Okay, on peut même pas changer. Enfin, le truc, il est complètement claqué. En plus, tu meurs quand tu prends le portail. Il n'y a rien du tout. Et puis là, bah, là, tu peux te transformer. Donc voilà, il y a d'autres gens qui viennent aussi. Ils sont comme moi. Mais en plus, eux, ils vont se faire avoir. Parce que certains jeux font ça. Et une fois en plus... Oula, ma tête. Ok, ma tête. Une fois que tu te connectes à ces jeux-là, des fois ils vont te proposer, par exemple, je sais pas, achète tel truc à 15 Robux, 20 Robux, les gens ils vont payer en pensant qu'ils vont avoir plus de Robux alors que c'est fou, ils se sont fait arnaquer 15 Robux et du coup c'est le créateur du jeu qui empoche des Robux. Vous imaginez cette percherie, c'est horrible. Par exemple, ce jeu-là, comment faire des Robux, comment en avoir? Pour accéder au jeu, il faut payer 25 Robux. Je sais pas si tu vois l'arnaque et t'as eu quand même 25 visites, donc je sais pas si c'est 25 personnes qui se sont fait avoir. Mais ouais, je trouve ça chaud. Hein. Des Robux gratuitement, des Robux gratuitement. Et le gars a bien insisté avec tout ça dans la description pour essayer de se mettre un maximum dans le référencement. Il y a plus de 200 000 visites. Mais de toute façon, pour savoir que c'est du fake, c'est très simple. De toute façon, il y a toujours plein de j'aime pas. Donc je suis totalement d'accord avec les gens. Vraiment, là, les jeux comme ça ne mériterait pas d'être sur Roblox. Et je comprends même pas pourquoi. Bah, ça existe et c'est encore là en fait. Parce que c'est grave de faire des trucs comme ça. Je trouve que c'est malsain. Hein. Alors que. Où on est dans le jeu? Déjà, on voit rien du tout. What? On est dans une salle. Attends, on peut partir d'ici à des escaliers. Il y a une arme. On peut pas prendre l'arme. Ah si, et on doit s'affronter. On se fight, je crois, c'est ça? Ouais, je crois que c'est ça. On se fight dans ce petit espace.
Donc voilà, je vois pas du tout, ils sont où les Robux qu'on a gratuitement? Attends, vas-y, je vais le tuer du coup. Ah, attends, je t'ai pas eu. Ah si, attends, je t'ai touché. Vas-y. Comment on fait pour se recharger? Ah voilà, je sais pas si je l'ai tué. Je vais prendre une autre arme plus puissante. Oula, en plus ça bug de ouf, ça me fait bugger. Oh là là, mais regardez-moi. Oh là là. Vas-y, je la tue, je la tue. Et voilà, t'es morte. Et toi, voilà aussi. Bon voilà, il n'y a pas de Robux ici. Après, ce qui m'attriste, c'est qu'il y a énormément de jeunes sur Roblox et du coup qui sont beaucoup naïfs et qui se font avoir par ce genre de tromperie. Faut savoir que moi, ça m'était déjà arrivé, pas sur Roblox, mais un autre jeu à l'époque où je m'étais fait avoir. J'avais payé avec mon téléphone 3 euros et ça m'avait fait un abonnement où ça payait 20 euros par mois. Enfin bref, pendant 3 mois, mes parents ont vu ça dans les factures et du coup, ils ont tout de suite enlevé cet abonnement. Puis ils m'ont demandé ce que c'était. Je leur ai jamais dit, vraiment. Mais pour vous dire, voilà, y a beaucoup de personnes qui se font avoir et franchement, stop quoi, j'en ai marre. Waouh, regardez l'arnaque, regardez ce qu'il a mis. Dans ce jeu, je vais vous montrer quelques conseils sur la création de Robux et comment obtenir beaucoup de Robux. S'il vous plaît, mettez un j'aime, mettez dans vos favoris si vous aimez les astuces de ce jeu. Et il nous refait à nous payer 25 Robux. Non mais alors qu'on sait très bien qu'il n'y a rien, c'est juste un monde nada, il n'y a rien du tout. Bon bah voilà, ça va être la fin de cette vidéo. Je voulais vraiment que vous fassiez attention à vous quand je vois mes abonnés qui se font avoir, se font hacker par des sites trompeurs ou autres, ça me met en rogne. Donc faites vraiment attention à vous, on ne peut pas. Les seuls moyens de gagner des Robux, c'est en acheter ou alors rejoindre des groupes dans Roblox. Et certains groupes, tu peux gagner des Robux. Voilà, ça dépend, il y en a très peu et donc faire vraiment attention à ça. Et si vous allez sur internet, si vous cherchez des trucs, etc., il y a presque tout qui est fake. Il y a certains sites qui fonctionnent, comme je vous ai dit, parce qu'ils nous disent qu'on doit rejoindre un groupe. Et donc du coup, si tu rejoins ce groupe-là en question. Mais dans aucun cas, le site va te demander de te connecter avec ton mot de passe sur Roblox. Si c'est le cas, tu te fais hacker directement. Pour préciser, quand je parle de groupe, ce sont des groupes sur Roblox. Et oui, comme je l'ai dit, certains sites te propose de rejoindre ce groupe là, ça ne te coûte rien parce qu'on va pas te hacker parce que tu rejoins un groupe. Une fois que tu le rejoins, des fois il y a certains fonds de Robux qui sont là. Après, sur certains sites, ils te proposent des tâches à faire, des missions, etc. Par exemple, je sais pas, des missions de faire un sondage. Tu fais le sondage en question, ce qui te coûte rien, ça te coûte 5-10 minutes de ton temps. Une fois avoir fini ce sondage, tu peux mettre n'importe quoi. Hein. Tu gagnes alors 5 Robux et tu peux les demander à ce groupe et ils se sont transférés directement à ton compte. Mais il y a très peu de sites qui font ça et c'est pour ça que je vous conseille de faire attention. Regardez bien si le site est sécurisé et avant tout, il ne faut pas vous connecter une seule fois dessus. Et aussi, j'ai oublié de préciser le point le plus important. Il y a beaucoup de sites internet qui vous demandent de mettre votre numéro de téléphone à ne jamais faire. Si vous le faites, vous allez payer des abonnements, etc. avec des factures monstrueuses. Donc, ne jamais mettre son numéro de téléphone. Jamais, jamais, jamais. D'accord ? J'espère que vous avez bien retenu ça. Bon, bah voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à lâcher votre pouce bleu et à faire partager l'info. Et je vous dis à la prochaine pour de prochaines aventures. Salut les petits potes !